Fanatique football, fanatique Trotter Channel, fanatique Belle Boule, comment nous? C'est toujours un plaisir pour moi pour venir avec nous, pour capable porter information pour nous. Malgré que pas content, malgré la tristesse, mais faut que nous bon information. Et bien, malheureusement, sélection nationale là, nous connaît qui a participé dans 9e édition Coupe du Monde féminine senior qui a fait dans le pays Australie et Nouvelle-Zélande. Il y a une compétition qui a commencé 20 juillet, qui a bien pour finir 20 août, qui a bien pour finir là. Et bien, malheureusement, sélection nationale là qui est arrivée perdu 3 matchs. Dans la première sortie, sélection nationale là qui a perdu devant l'équipe Angleterre là, 1-0. Après ça, elle a perdu devant l'équipe la Chine là, 1-0. Et puis, troisième match là, nous avons perdu devant l'équipe Danemark là, 2-0. Forme du 3 dans le goal, ça c'est sous pénalité. Et bien, sélection nationale là qui encaissé 4 goals dans la compétition, hein, qui n'a pas marqué aucun goal dans la compétition. Hein. Et bien, en sélection, tu es retrouvé dans le groupe D, en groupe C là qui était là dans Angleterre, Danemark, hein, la Chine, Haïti. Et bien, équipe qui passait dans le groupe D, c'est Angleterre qui finit à 9 points. Et puis nous gagnons l'équipe Danemark là qui finit à 6 points, qui finit en 2e position. Et bien Angleterre, nous connaissons qui bat l'équipe la Chine dans 3e sortie, 6-1. Et puis Haïti, les mêmes qui perdu face à l'équipe Danemark là, 2-0. Et malheureusement, sélection nationale là qui quittait la compétition là après 3 défaites. 3 défaites, 1-0 face à l'équipe Angleterre là, 1-0 face à l'équipe la Chine là, et puis 2-0 face à l'équipe Danemark là. Et bien sélection nationale là qui arrivait éliminée après 3 défaites dans la compétition si là. Et bien sélection nationale là m'a rappelé pour nous qui était retrouvé dans le groupe D, et un groupe qui est là dans Angleterre, Danemark, la Chine et puis Haïti. Malheureusement pour sélection nationale là, c'est à refaire. Et bien n'a continué bataille, c'est Grenadier à l'assaut, yon équipe yon nation, yon équipe yon mission. Et bien nous on a gagné Gold Cup qui a gagné pour venir là. Et bien première édition qui a gagné pour faire dans le mois février, mais c'est l'autre rendez-vous sélection nationale féminine senior nous a gagné. Et bien sélection nationale là, nous on a mesdames ça, chaque mesdames ça yo a bien pour recevoir 30 000 $ américains parce que yo éliminé dans phase de groupe yo. Et fédération a bien pour recevoir 1 560 000 $américains parce que yo éliminé dans phase de groupe. Et bien c'est comme ça, ça y est. Et bien sélection nationale là qui gagne l'autre rendez-vous dans mois octobre novembre qui bien pour venir là. Et bien restez sous Channel pour là. Nous toujours été soudés, n'a toujours porté l'autre information pour vous sur ça qui est en avec le football national et international. Yon équipe, yon nation, yon équipe, yon mission, malgré que nous éliminés, malgré que nous perdu 3 matchs dans la compétition, 3 matchs de poule, mais ça n'a pas fini, c'est que nous avons joué l'autre compétition. Eh bien, restez sous Channel pour là, pas déplacer, toujours supporter mesdames, toujours supporter sélection nationale New York, qui est une sélection nationale féminine senior, qui est une sélection nationale masculine senior, qui est U15, U17, U20, toujours supporter. Et si monsieur amputé New York,
toujours supporter toute sélection nationale nous parce que faut que nous flotter drapeau nous plus haut yon équipe yon nation yon équipe yon mission et bien c'est comme ça ça est fanatique football fanatique pour Chanel là pas oublier abonner si vous pouvez abonner à Chanel c'est la Chanel ça qui a porté toute information pour vous dans ça qui vient à ouais à football national et international là et bien nous on a une sélection U15 ans qui pourra jouer compétition c'est là qui relève challenge c'est fut et bien n'a porté information pour vous sélection masculine U15 noir qui a entraîné en bataille dans jour qui a bien pour venir là restez sur Chanel pour la pas déplacer et puis nous gagnons l'autre rendez-vous et sélection U17 en féminine noir qui a bien pour jouer éliminatoire coupe du monde qui a bien pour faire nous connaît coupe du monde là qui a fait en 2024 dans pays République Dominicaine et bien restez sous Chanel pour là et puis l'autre rendez-vous nous gagnons rendez-vous avec monsieur Nouyos et sélection nationale masculine senior noir qui a bien pour jouer Ligue des Nations nous connaît sélection nationale là qui retrouve dans Ligue A et bien dans mois septembre qui a bien pour venir là sélection nationale là bien pour jouer Ligue des Nations et bien restez sous Chanel pour là et saison 2023-2024 yo sélection nationale là masculine senior noir a entré dans bataille et puis nous gagnons l'autre rendez-vous toujours pas négliger abonner à Chanel la Chanel qui a porté toute information pour on a ça qui gagne à ouais à football national et international nous rester soudés yon équipe yon nation yon équipe yon mission Grenadier à l'assaut et bien nous pas baisser les bras et bien n'a continuer rester soudés même motivation mais malheureusement m'a dit non Delepine passer à côté parce que faut qu'en fédération nationale là ouais comment yo ka joindre l'autre entraîneur pour sélection nationale féminine senior parce que nous gan pile talent joueur nous yo sans paquet de talent yo yé nous gan pile belle joueuse dans sélection féminine senior malheureusement nous pas gagne un coach qui ka et coacher sélection qui ka permettre sélection et développer talent yo malheureusement et bien restez sur Chanel pour là nous pour porter plus information pour yon équipe yon mission yon équipe yon nation Grenadier à l'assaut moi remet nous en pile n'a prend nous l'autre vidéo pour plus information malgré nous éliminer mais n'a continuer bataille toute sélection nationale yo supporter yo sélection nationale féminine senior sélection nationale masculine senior U15 U17 et U20 dans toute catégorie et féminine masculine rete sous Chanel pour la pas déplacer.